tout le monde ne peut pas travailler dans les sociétés minières. Et tout le monde aussi ne peut pas être des salariés. Mais nous, notre devoir, comme qu'on a de l'expérience, on a voulu créer cette entreprise uniquement pour avoir un développement durable au niveau de la région de Kédougou. On travaille ici avec 7 personnes pour l'instant parce que les matériels ne nous permettent pas de travailler avec beaucoup d'éléments. Mais pour l'instant, on a débuté avec 7 personnes. Ils sont tous originaires de la région de Kédougou. C'est des fils de Kédougou, c'est la jeunesse de Kédougou. Parce que j'ai pensé d'abord, il y a tellement de jeunesse qui sont là, qui sont, de créer de l'emploi, essayer de coopter ces gens-là, qui puissent avoir quelque chose, pouvoir satisfaire leurs besoins. Question pour laquelle on a pensé à créer cette entreprise-là, uniquement pour avoir ce développement. Auparavant, j'avais gagné avec Sabo Dala des sacs à confectionner. Lutte contre les sachets en plastique. J'avais débuté avec Sabo Dala juste pour essayer de lutter contre les sachets en plastique. On m'a donné quelques échantillons à faire. J'ai pu gagner quelques sacs à coudre pour ces gens-là. Je remercie beaucoup, mais ce que nous voulons, on attend de plus. On attend quelque chose de grand par rapport à cela. Avant tout, je salue d'abord le ministère de l'Éducation et je salue le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a pensé pour les tenues scolaires et pour vraiment que les tailleurs puissent s'en bénéficier à cela. Aujourd'hui, quand l'État soutient les tailleurs, j'espère bien qu'on pourrait créer de l'emploi par rapport à cela. Et nous voudrons vraiment le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui n'a qu'à amener encore ces tenues scolaires, parce que ça nous manque beaucoup. Grâce à ça, d'ailleurs, ça, on a pu payer des machines électroniques et des ciseaux électroniques. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de partir à Dakar pour couper ça là-bas. On n'a pas besoin de partir ailleurs vraiment pour travailler ça là-bas. L'année passée, ça nous a beaucoup soutenu parce que j'ai pu former 26 personnes. Ces 26 personnes-là, vraiment, ils sont très contents aujourd'hui. La jeunesse vient ici chaque jour. Dembo, il faut nous prendre. Mais comment prendre? Les moyens ne nous permettent pas de faire certaines choses. Actuellement, nous sommes en train de coudre les tenues de 26 grands projets de Sambangalo. Et vraiment, je vais remercier cette grande entreprise qui a pensé d'abord dans la localité, prendre les petites entreprises. Parce que petites entreprises, grandes entreprises, tous, ils sont au même pied d'égalité. Aujourd'hui, ils ont pensé dans la localité, nous impliquer. Vraiment, je n'ai qu'à le remercier. Et j'aimerais aussi les grandes sociétés minières qui se trouvent dans la région de Kédougou puissent faire pareillement comme eux. Vraiment, nous voudrons vraiment que ça arrive, qu'on puisse coopter tous les marchés ici. Parce qu'avant de penser à mener ça à l'extérieur ou ailleurs, il y a la localité qui est là, qui est formée, qui a de l'expérience, qui a la compétence. Pourquoi ne pas laisser ces marchés-là qu'on puisse s'en bénéficier, puisse se développer en même temps. Vraiment, je remercie beaucoup Sambangalo, qui a beaucoup pensé dans la région de Kédougou d'abord. On a pu avoir la totalité de 503 tenues à confectionner. Vraiment, nous sommes très fiers d'eux. Nous sommes très contents d'eux. Et nous voudrons vraiment qu'ils puissent avoir une continuité par rapport à ça. Et aussi, vraiment, nous remercions ces Sambangalo, vraiment. Et l'échantillon qu'on a, c'est l'échantillon le plus difficile. C'est de taille 50. On l'a cousu avec deux fils qu'on a protégés de l'intérieur. Il fait très chaud ici à Kédougou. Les ouvriers ne vont pas se sentir à l'aise. On a pensé d'abord aux ouvriers. Parce que les ouvriers, pour mieux travailler, il faut te sentir mieux dans la tenue. Quand tu ne te sens pas dans la tenue, quand tu ne peux pas travailler ton boulot comme convenable. C'est une question pour laquelle tout ce qu'on fait, on le protège. Ça, c'est une poche pour les genoux, pour en cas de cas, puissent mettre des protèges. Pour protéger les genoux, il faut que vraiment essayer de protéger les ouvriers. Bon, là aussi, il y a une deuxième poche qui est là. Fait deux poches et aussi, il y a un bouton de l'intérieur qu'on a protégé aussi. Pourquoi? Jusqu'à présent, c'est pour protéger les boutons. On a pensé d'abord à mettre ici l'élastique parce que la taille normale,
ça fait 120. Maintenant, on a mis l'élastique, ça puce, que ça va tirer un peu la mesure, que pour la mesure puisse venir à ton niveau, que tu n'as pas besoin même de faire la ceinture. Pour ne pas que les clés des voitures puissent tomber, ils peuvent le mettre ici. Parfois, la personne oublie. Mais quand tu les mets ici, bon, quand tu veux monter dans ta voiture, tu peux décrocher ça et allumer le véhicule et partir. Comme qu'il fait chaud à Kédougou, on a pensé à mettre d'abord des grillages sur les épaules. Pourquoi les grillages? Pour avoir de l'aération. Ça, c'est pour de l'aération. Ça, c'est l'aération. On a mis ça uniquement pour qu'on puisse avoir de l'aération. Pour les ouvriers puissent sentir bien. Et ici, on a pensé aussi à mettre ici du grillage pour avoir de l'aération. Et le derrière aussi, le dos, on a pensé aussi à mettre du grillage pour l'aération. Voici l'aération qu'on a pensé à mettre ça là-bas. Vraiment, ça, c'est le taille M. Ce sont des tailles standards. Il faut vraiment être professionnel pour pouvoir faire certains travaux. Les règles à respecter, c'est juste respecter les délais. Et respecter aussi le travail. Il y a deux choses qui s'accompagnent, l'expérience et la compétence. Et aujourd'hui, on a de l'expérience. On n'a pas besoin aujourd'hui de partir en extérieur ou ailleurs. On peut le faire ici, il y a la compétence. Il est normal aujourd'hui qu'ils pensent à nous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne parviennent pas à travailler dans les sociétés minières. Et c'est la création de ces emplois, la création de cette entreprise pour diminuer beaucoup de chômage. Et aussi, surtout aussi les clandestins, Barça ou Barza. Il est important, Balangay Demfou Sori, il y a quelque chose qui est là, que tu peux le faire ici, et tu peux l'obtenir ici, et tu peux gagner ici, tu peux t'enrichir ici. Et pourquoi partir de loin? Et pourquoi prendre des pirogues? J'espère bien, il est important aujourd'hui que la jeunesse soit consciente qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin, ça se trouve ici au Sénégal. Présentement ici à Kédougou, car on veut le développement de la région de Kédougou et le développement du Sénégal. Je vais remercier mon ami, mon frère Mamadou Saliou Sow, Bri Belessow, qui a beaucoup fait pour l'entreprise. D'ailleurs, grâce à lui, aujourd'hui, si on a pu obtenir ça, parce que les moyens ne nous permettent pas de faire quelque chose. Le jour que je suis parti, c'est lui, j'ai dit, mon frère, je suis venu chez toi, il a dit que non. Aujourd'hui, j'ai la visite de mon frère. Donnez-moi du temps que je puisse libérer ces gens-là. Après, je vais vous revenir. J'ai toute une journée pour vous. Et c'est comme cela que ça s'est passé. On est resté là-bas jusqu'à l'aube. On parlait du développement. On échangeait, on disputait, on parlait de tout. Pourquoi moi, je suis un acteur de développement communautaire ici au niveau de la région de Kédougou. Je m'en bats pour le développement. Si on a des leaders parés, qu'on doit s'approcher d'eux, leur montrer la réalité qui se passe au niveau de la région de Kédougou. Je vais remercier aussi Mamadou Adji Cissé. A beau refuser le lapin, il faut reconnaître qu'il a des longues oreilles. Vraiment, je le remercie. C'est quelqu'un aussi qui m'a soutenu matériellement et financièrement. Parce que cette entreprise-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a commencé. On l'a commencé, ça fait très longtemps. Je veux féliciter, remercier le préfet Terno Souleymane Sow. Tout ce que les filles de Kédougou peuvent le faire, ça ne va pas se sortir ici, ça va se passer ici. C'est comme cela qu'on représente de l'État qui doit faire dans la commune de Kédougou. C'est ces gens-là qu'on a besoin ici. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui s'en soucient pour le développement de la région de Kédougou. Pour la formation, je vais solliciter aussi l'ADPME. L'ADPME, vraiment, je suis très content d'eux. Parce que grâce à eux, avec la formation de Pategué, grâce à lui, aujourd'hui, si on a pu avoir de l'expérience. Mais la formation ne doit pas s'arrêter une seule fois. J'aimerais à chaque 6 mois qu'on puisse amener les formations. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te former 5 jours pour pouvoir comprendre tout. C'est impossible. Mais il faut encore ajouter des formations, il faut encore revenir encore et reformer ces gens-là, qu'ils puissent avoir de l'expérience par rapport à ça, pour pouvoir mieux travailler dans leurs ateliers. Et aussi avoir un accompagnement, c'est tout. Un accompagnement d'outils pour qu'ils puissent
vraiment travailler dans les ateliers, parce que là, on est pauvre. On ne parvient pas à faire tout, parce que les matériels d'aujourd'hui, ça coûte cher. Mon ambition en est que c'est de créer de l'emploi, avoir un grand atelier, un atelier de qualité. Pourquoi pas ouvrir une formation comme l'école, prendre les jeunes, leur mettre, leur former, mais seul l'État qui peut nous soutenir. On a besoin des financements. Voici là où nous sommes, on est dans une petite atelier. Mais avec tout ça, alhamdoulilah, on va remercier le bon Dieu. Mais ce que nous voulons, que l'État nous aide. Il y a tellement de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. Et moi, je suis un homme de terrain, je suis sur le terrain. Je vous parle en connaissance de cause, car je connais ce qui se passe sur le terrain. Donc aujourd'hui, je suis là uniquement pour montrer aujourd'hui ce qu'un fils de Kérougou peut faire. Nous sommes très forts. On est très forts dans tous les domaines. Peut-être le bon Dieu n'a pas souri d'abord à nos faveurs, mais nous souhaitons aujourd'hui que le bon Dieu nous aide, que l'État nous soutienne. Seul l'État peut nous soutenir. Et nous voudrons aujourd'hui l'État nous donne des financements, nous donne des moyens qu'on puisse survenir à nos besoins. Il est très important. Aujourd'hui, seul l'État qui peut nous soutenir. Il n'a qu'à nous soutenir. Et nous voudrons vraiment que ces gens-là, ces grandes entreprises qui sont là, ces grandes sociétés minières qui se trouvent dans la localité, de penser à nous. Parce que nous sommes là, on ne travaille pas, c'est ça qu'on travaille. Ma spécialité, c'est ça, c'est de faire la couture homme. C'est ce que je peux. J'aimerais vraiment que les grandes sociétés minières n'ont qu'à nous entendre.